Bon, salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Je vais faire un petit tour avec Stéphane et sa Super Duke. Donc on va aller dire bonjour chez un pote et rouler un petit peu. Allez, let's go. Donc il a acheté un pot à crap pour mettre sur sa Super Duke. Le son est nettement meilleur que celui d'origine. Plus il a acheté d'occasion, il a fait une bonne affaire, il a eu à 500 €, c'est pas mal. Bon ben voilà, ça faisait longtemps que j'avais pu donner des nouvelles, parce que bon, entre les vacances et tout le reste, si j'ai roulé un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de beaucoup rouler, j'avais pas vraiment l'occasion de faire des vidéos avec du contenu intéressant. Bon, ici on va faire une petite balade, c'est toujours sympa. Prendre quelques beaux sinueux. Donc ça va pas être une vidéo extraordinaire, mais bon, petite balade quoi. Et c'est bien, il a déjà fait 3000 km avec, il a fait plus de kilomètres en 3 mois qu'avec sa MT-07 en 2 ans. Donc c'est qu'il aime vraiment mieux cette moto-là que la Yamaha qu'il avait avant. Allez, c'est parti. On va aller se faire le nez blond. Il fait super bon rouler, n'empêche. On est le 14 septembre, 21 degrés, plein soleil, nickel. Belle arrière-saison. Et ils annoncent comme ça encore pour une dizaine de jours. Nickel. Enfin, je vais pouvoir aller bosser avec la moto toute la semaine prochaine. Bon, on va sortir d'Oké, on va se taper le nez blond jusqu'à Moire. C'est super sinueux. La route est en très bon état en plus. Bon, c'est parti. Enfin, le gars. C'est quoi ça pour un pot d'échappement? Oh là 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 là! Et c'est un 50 le bazar! Oh là 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 là! Pas mal! Ça gueule plus que ça n'avance en tout cas! J'ai pas succès son truc, mais ça gueule plus que ça n'avance. Avec le pot. Ça fait vraiment la pièce grue. Ouais, c'était pas mal. Bon, c'est reparti. Vas-y, Steph. En tout cas, il a pris vachement d'assurance avec cette bécane-ci, maintenant c'est normal. Avec la MT-07 au début, il n'était pas très très franc, maintenant il a attrapé de l'assurance, c'est bien.
là je peux pas résister. Salut les gars, ben, y a quand même un peu de monde, c'est sympa. C'est fin de saison, tout le monde profite des derniers beaux jours. Bon, aussi bien, ils vont encore faire roulard pendant un mois et demi. Hein. C'est vraiment à partir du mois de novembre que ça devient quasiment impossible à rouler. Si ça se trouve, d'ici là, on aura de la chance. J'arrive quand même à m'accrocher malgré mes 70 chevaux au moins, c'est pas trop mal. Bon, on va y aller peinard ici parce que un petit village sinueux avec une route super étroite. Je crois que c'est là. Oh. Ah non, je vais l'entendre gueuler. Ça va Robinou? Ouais. Yeah mon gars. Ouais, mon gars. Yo le duc. Quand tu veux, Mister Katoche. Ciao! Bon, c'est reparti, un petit tour sur la Super Duke, c'est gentil à toi Steph de me la prêter. Je vais faire une dizaine de kilomètres avec. Il avait envie de réessayer un coup la 790, il l'avait déjà essayé. Et c'est la bonne occasion pour moi de refaire un tour sur la Super Duke. C'est vraiment une machine hyper maniable. Chaque fois que je monte dessus, je le dis, elle est plus maniable que la mienne, il n'y a rien à faire. Elle est plus lourde, mais elle est plus maniable. Je me sens plus à l'aise en virage là-dessus. Je comprends pas pourquoi, mais c'est impressionnant. C'est chirurgical, quoi. En virage, c'est génial. Et son petit pot à cran, il chantonne pas mal. Ouais, là, par contre, j'attendrai la fin du virage. Hein. On va faire une petite accélération comme ça. Personne, allez, c'est parti. Ah, ça arrache quand même. Putain. Ah, c'est magnifique. Salut mon gars. Non, c'est magnifique. Je retrouve quand même certains côtés de la mienne. Si ce n'est que je trouve que celle-ci est plus rassurante en virage, je sais pas pourquoi. Sinon, c'est quasiment pareil, mais le gros point en plus par rapport à la mienne ici, c'est le couple. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas besoin d'être à 6-7 000 tours pour avoir de la reprise. Là, je suis en 5e à 100, je suis à 4 000, j'ouvre à fond, ça part. Mais c'est juste fabuleux. C'est vraiment un avion, c'est incroyable. Et on en parlait encore tantôt, c'est une bécane, c'est surpuissant. Mais si t'as envie de rouler cool avec, bah tu peux. Bon ok, ça donne pas envie de rouler cool. Là je suis en 4e à 4000 tours, je suis à 90 vitesse réglementaire, bah tu te fais chier quoi. T'as toujours envie d'ouvrir en grand, mais si tu veux rouler cool avec, y a pas de problème. Mais si tu veux faire le con, c'est incroyable.
Ah là là, non, c'était bien chouette. Bon, il me l'a prêté pour 10 km. Il va aller se chercher un petit truc à boire. Mais c'était chouette de refaire un tour. Mais magnifique. Je comprends qu'il s'est éclaté avec cette bécane-là et qu'il ait fait autant de bornes depuis qu'il l'a. Steph, t'es franc là. Ben voilà, c'était bien chouette. Petit tour avec Steph, un petit tour sur la Super Duke, quelques kilomètres, ça fait toujours plaisir. C'était bien sympa. Il fait beau, on a pris du bon petit sinueux. Normalement, ils annoncent comme ça toute la semaine et encore le week-end prochain, il y a des chances qu'on aille refaire un tour. Bon, allez. Salut tout le monde, à la prochaine.